Dans un rebondissement surprenant des événements en cours au Niger, la Mauritanie, un voisin proche et partenaire stratégique, a émis une mise en garde sévère à l'Union européenne, UE. Selon un communiqué officiel de Nouakchott, la capitale mauritanienne, toute intervention étrangère au Niger sera prise comme une déclaration de guerre par la Mauritanie. Au cœur de cette déclaration audacieuse se trouve une croyance fondamentale de la Mauritanie. Le destin du Niger doit être décidé uniquement par le peuple nigérien. La Mauritanie estime que seul le peuple nigérien est censé décider de ses dirigeants, a déclaré le porte-parole du gouvernement mauritanien. Ce message fort et sans équivoque est un signe clair que la Mauritanie prend au sérieux la souveraineté du Niger, un pays avec lequel elle partage une longue histoire et des liens étroits. La Mauritanie n'a pas seulement exprimé sa position en mots, elle a également montré une solidarité indéfectible envers le peuple nigérien. Alors que le Niger traverse une période d'incertitude, la Mauritanie s'est engagée à soutenir le Niger de toutes les manières possibles. Toutefois, la Mauritanie apporte son soutien au peuple nigérien et fait savoir à l'UE que toute intervention sera prise comme une déclaration de guerre à la Mauritanie, a ajouté le porte-parole. C'est un signe clair de la profondeur de l'engagement de la Mauritanie envers le Niger. Et c'est une déclaration audacieuse qui pourrait avoir des implications considérables sur la dynamique régionale. Si le tout autre organisme international envisageait une intervention au Niger, il devrait maintenant également tenir compte de l'opposition potentielle de la Mauritanie. En fin de compte, cette déclaration est un appel à la retenue, à l'autodétermination et à la non-ingérence dans les affaires internes du Niger. Seul l'avenir nous dira comment l'UE et les autres acteurs internationaux réagiront à cette déclaration forte de la Mauritanie.